C'est la première fois où on va sortir de nos terres et on va voir un peu le comportement aussi des hommes dans un contexte un peu différent, un contexte un peu hostile, hein, puisque cette équipe a perdu deux fois, donc elle va rentrer un peu énervée. En plus, c'est une équipe qui a des qualités, donc voilà, on a bien préparé cette semaine. On a le sentiment que les garçons sont bien préparés après cette déception du match précédent, et à nous à laisser le doute à cette équipe pendant le plus longtemps possible pour éventuellement voilà, la faire douter le plus possible et éventuellement ramener quelque chose là-bas. Ouais, c'est surtout de ne pas rééditer ce qu'on a pu faire la semaine dernière, notamment à la mi-temps où on donne des points facilement, on rend des ballons trop simplement, alors que il suffisait de taper un touche et on partait à la mi-temps avec juste un point derrière. C'est être fort dans nos temps forts et être fort dans les temps faibles, c'est-à-dire éviter de prendre des points lorsque l'équipe domine et à marquer lorsqu'on domine. Voilà. Être plus pragmatique près des lignes adverses, ce qu'on n'a pas été capable de faire le week-end d'avant, malgré la domination qu'on a eue à des moments. On n'a pas réussi à scorer, à franchir la ligne, même si, attention, il y avait l'équipe de Grenoble qui était forte en défense. Je crois que voilà, on avait la possibilité de marquer un ou deux essais de plus et ça nous aurait permis de gagner le match. Donc encore plus à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on a moins d'opportunités et lorsqu'on les a, il faut les saisir. Il faut marquer le maximum de points, faire douter cette équipe. Je pense que l'équipe qui doute un peu, c'est comme une bête blessée, quoi. Il faut pas la laisser se guérir, il faut l'achever, quoi. Et nous, il va falloir qu'on la fasse douter le plus longtemps possible, qu'on soit pas très bon au score, hein, le plus longtemps possible. Et là, on va commencer à douter, et c'est là où peut-être on aura une emprise réelle sur le match.